Si l'histoire que vous allez voir était issue de l'imagination d'un romancier, vous pourriez la taxer de pure fiction. Mais ces événements ont réellement eu lieu dans les rues, les terrains vagues et les taudis où nous les avons filmés. À l'ombre du pont. Par terre, qu'avez-vous fait après cela? Je l'ai frappé. Avec quoi l'avez-vous frappé? Un bout de bois. Ce morceau de bois avait-il quelque chose de particulier? Comment ça? Qu'y avait-il à l'extrémité de ce morceau de bois? Je m'en rappelle pas. Parlez plus fort que nous puissions vous entendre. Je m'en rappelle pas. Qu'avez-vous répondu? Veuillez le répéter à la cour. Objection! Mais enfin, vous vous moquez de moi! Votre honneur, il m'est impossible de mener ma tâche si cet idiot m'interrompt continuellement. Tâche de propre à rien, mon cher confrère. Je vous en prie. Vos remarques sont désobligeantes à votre égard mutuel, mais aussi à l'égard du tribunal. J'admets que tout le monde est fatigué. Mais maintenant, le débat au niveau des questions et des réponses. Ne m'approchez pas. Vos manières sont suspectes. Votre honneur, il m'attaque de façon délibérée. Votre honneur, j'aurais trop peur de me salir les mains. Veuillez faire sortir les défendeurs. Je réclame la protection, les policiers pour la poursuite. J'en donne une suspension de séance. Les débats reprendront en cours vers 4 heures. Vous pourrez retrouver votre calme. Pouvez-vous m'accorder un instant? Expulsez cet homme de la salle. Attendez, j'ai quelque chose à déclarer. Mais j'ai entendu, monsieur le juge. Mais il faut que je vous dise. Mais ça vous dirait plus tard. Allez, avancez, avancez, avancez. J'ai rien fait. Allez, face au mur. Vous allez demain sur le mur et ne faites surtout pas un geste. Où est ton arme, hein? Mon arme? Une Bible. Il y a peut-être une arme dedans. Tu travailles pour les gangs? Non, ce n'est qu'une Bible. Où est ton arme? Je n'ai pas d'armée dans mon ministère. Je suis pasteur. Voyez ces papiers. Ton certificat d'ordination, tu te promènes toujours avec? J'aimerais savoir ce que ça cache. David Wilkerson, c'est ton nom, l'ami? Oui. Qu'est-ce que tu fiches ici? J'aimerais que le juge m'accorde la permission d'aider ces pauvres gars. Avec des preuves nouvelles? Reste tué, l'ami. Surveillez-le. Je vais voir ce que le juge a décidé pour ce type. Comment comptez-vous aider cette bande de gars? Grâce aux prières des fidèles qui emplissent mon église à Phillipsburg, Pennsylvanie. J'espère probablement un vrai miracle parce que l'accusation va mettre cette vermine en pièces. Rends-lui sa Bible. Le juge a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite contre toi si tu promets de ne plus remettre les pieds au tribunal. C'est à toi de décider. Bon Dieu, ces gars-là n'ont rien à faire de la foi chrétienne. Hé, révérend, qu'est-ce que vous avez dans la main? Une Bible. Est-ce que vous en avez honte? Bien au contraire. Mais alors pourquoi vous la cachez? Montrez-nous-la! L'audience va reprendre dans quelques instants. Toutes les personnes convoquées devant ce tribunal de l'État de New York sont priées de regagner leur place. What can you do? What can you say? Where do you start?
Un gars qui dort dans la bagnole. Et alors? Il se réveille, on est bon? Un gros bras? Non, il n'en a pas l'air, mais... Il y en a qui ont l'air de rien. Et dans tes culottes, petit monde. Comment on s'y prendra? Rien de plus simple. Quand il sort de la voiture, il lui fait ce numéro-là. Tu attends que je lui pique son portefeuille. T'es d'accord? Ouais, tu as tes idées, toi. Dès que ton bonhomme sort, on s'y met à deux. C'est OK? Il y a erreur sur le gars. Et le gars qui est venu au tribunal? Oui. Mets là-dedans, man. Mais non, tu comprends pas, tourne-la en l'air. Voilà. Oh, je t'ai reconnu, tu sais, c'est toi qui as fait enrager le juge au procès des Égyptiens. Un petit gars? Oui, je l'ai un peu embêté, c'est vrai. Je m'appelle David Wilkerson. Moi, je m'appelle Bout de Bambou. Mais appelle-moi Bout tout court. Et celui-là qui a voulu te faire ton affaire, c'est mon copain, Boule de Gomme. Salut, boule de gomme. Oh, les négros, rapportez ça tout de suite. Dépêchez. Ou je vais vous arranger le portrait. On vole un copain, non mais vous êtes malade. Tâchez de vous faire soigner. Tu as vraiment une belle paire de savates aux pieds. Je serais prêt à tout faire pour en avoir des comme ça. Merci. Et tu connais la bande des Égyptiens, toi? Oui, c'est plein de gros bras, mais il y en a des plus forts. Ils s'en prennent pas aux marmots ou aux bishops. J'ai piqué mes chaussures à une espèce d'ivrogne. Je pense qu'il y avait une maladie au pied. J'arrête pas de me gratter. Marmots, hein? J'aimerais leur parler. C'est ceux de ton gang? Moi, j'en ai rien à faire. Je marche tout seul. Je veux rien savoir de toute leur bagarre et de leur maudit poignard et le reste. Ça nourrit pas son homme. Bou, j'aimerais savoir si tu crois en Dieu. Il m'empêche pas de dormir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est les gars de la police. C'est facile pour toi de parler de Dieu. Tu m'as l'air bourré d'argent. Même si t'as pas une voiture de luxe, au moins tu te prives pas pour les souliers, hein? Tu sais que Dieu se penche sur toi. Tu es présent dans son esprit. Ah, j'ai pas l'impression qu'il se penche sur mon cas. Ou alors il a mauvaise vue. À quoi tu joues? Des billets devant mes chaussures, hein? Eh bien, mets-les. Je veux pas de tes savates qui puent. Vas-y, mets-les, fais pas le capricieux. Comment tu vas marcher? Ah, j'en ai une autre paire chez nous. C'est où, chez toi? Phillipsburg, Pennsylvanie. Magnifique, mon vieux, serment 5. Tu veux parler au gang? Je vais t'organiser ça. On va prendre ton taco, DB. Et on va aller voir des vrais gros bras, mais surtout, va pas les emmerder avec toutes tes bondieuseries. Parce qu'ils vont te faire tellement de trous dans le corps que tu pourras arroser le gazon de ta maison en Pennsylvanie rien qu'en buvant un verre d'eau. Ils ont un traité de paix avec les bishops et les mamans. Ceux-là ne font pas d'histoire, ils s'envoient en l'air.
C'est quoi la AAAGP? C'est simple, Association américaine pour l'avancement des gangs et du pot. Tu peux te mettre ici. C'est la limite de sécurité si tu veux retrouver ton taxi en repartant. Je crois que tu vas regretter de ne pas avoir de chaussures. Alors, où t'étais passé? Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Arrête, tu le connais pas. T'as vu sa tête dans le journal, simplement. C'est lui le prêcheur qui s'est fait expulser quand il y a eu le procès des Égyptiens. Oh. Laisse-le tranquille, ça le regarde. Et fais surtout pas de lui jouer de mauvais tour, parce que ce gars-là, c'est notre copain, à moi et à Boule de Gomme. Hé, il voudrait parler au gang, t'as qu'à l'amener. Zéro. Les mamans vont tenir un conseil de guerre avec les bishops. Mon frère est dans le coup. On sait rien, vous, allons-y. Une seconde, pas de panique. Moi, je préfère te laisser y aller. J'ai dit que j'ai pas d'associé. Je sers un peu d'intermédiaire pour un gang ou l'autre. Il faut dire que si je m'amenais dans leur capitale, ils apprécieraient pas du tout. T'as peur qu'ils te percent des trous? Oh, fais-le entrer, sois bonne fille. Je sais pas ce qui m'engueule. Ou alors, il me faut $5. Et lui passer la porte d'entrée, c'est tout. Il n'y a qu'à me donner 5 beaux billets. Écoute. T'énerve pas, Dévé. Cette poulette t'a donné son gros prix. Avec ça, t'as droit à 2 joints de mari, plus $2 de monnaie et 1 heure de bonheur garantie. Je paierai s'il faut payer. 2, c'est bien assez. Tu peux monter à 3. Pense à l'honneur de la demoiselle. 2, c'est tout ce qu'il peut te donner. Moi. Salut, petit mousse. Je vais aller piquer de quoi manger. D'accord, bout de bambou, merci. Là, je peux entrer, s'il te plaît? Ça ne plaira pas à ton grand frère. Il y a un ami qui vient. Man, le club de tennis, c'est la porte à côté. Tu t'es trompé d'adresse, pauvre vieux. Oh, ça va, James. C'est le prêcheur qui a voulu aider les Égyptiens et qui a été mis à la porte, la cour. Ouais. T'as du front, toi. Drôlement. Fume-moi qu'elle mettre la paix. Oh, j'en veux. Fume-moi qu'elle mette la paix. Le calumet de ma paix. Le allumé. Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer ici? Et pourquoi tu fumes ce joint? J'adore ça. Et puis d'abord, ça m'excite. T'auras honte devant les petits camarades si je te mets mon coup de pied aux fesses. Laisse-moi tranquille, je t'appartiens pas. Sors d'ici en vitesse, hein?
Mais ne marche pas sur cette herbe-là, c'est pour Kentucky Blue. Va-t'en! Non, je m'en vais pas! Je ne suis plus une petite fille et j'ai bien le droit de fumer si ça me plaît! T'es folle! La garde, les vient me regarder de près! Tu veux leur ressembler? Tu veux faire ce qu'ils font? Puisque je le ferai un jour, autant le faire tout de suite, non? Il y a ton patron qu'on vient d'arriver. Préviens-le de l'arrivée du peuple élu. Préviens-le que les bishops sont là. Belgueule, je me nomme parce que c'est un bon nom pour un homme. Discutons de l'heure, de l'endroit, des conditions. Telle est ma position. Ok. Monsieur Cool. Monsieur Cool. Je suis d'accord. Israël. Le président. Et je dirais le parc. On est rivaux pour le parc. Le symbole se remarque. Mardi. 8 heures précises, papa. Ne sois pas en retard. Dans la nuit, man. Comment tu vois un nègre dans le noir? Mon chef d'état-major, Abdullah, dit que la nuit, c'est pas l'idéal. Nos amis policiers sont sur les dents. Midi juste, alors. Les enfants sont encore à l'école. T'as raison, je suis d'accord. Si c'est pour y rappeler qu'on unit nos forces pour leur tomber sur le dos. Parfait. Et pour l'armement? Je passe la parole à mon chef d'état-major, Abdullah. Moi, je vous laisse le choix des armes. Je passe la parole à Nicky. N'importe quoi. Batte, tuyau, chaîne, lame. Revolver. Tout ça me paraît intéressant. Et une minute. Pas d'armes à feu. Si la police nous surprend, il n'y a pas de pardon pour nous, vous le savez. Une fillette? Si y a que moi et toi face à face, on va voir qui est la fillette. Eh, vas-y. Vite. Oh, mais si monsieur insulte mon chef d'état-major, on peut régler l'histoire maintenant. Ouais, vas-y, Belger. T'énerve pas. Réglez ça ici, si ça vous plaît, mais évitez de casser les meubles. Ok. Pour l'armement. Pas de revolver. On sert que des lames, des chaînes et des battes de baseball. Lames, chaînes, battes de baseball. Est-ce que je... Je peux dire un mot? Mais d'où est-ce qu'il sort, cet idiot-là? Tout ce que je veux dire, c'est que... Il y a quelque part quelqu'un qui pense à votre bien. Qui pense infiniment. Et en fait, il vous aime quels que soient vos défauts. Eh, présente-le-moi, ton petit copain. Il connaît bien la boisson, la marijuana. La guitarra, Il sait ce que vous cherchez quand vous faites l'amour par habitude. Oui, je fais l'amour, mais pas la guerre, moi. Ça va, fermez vos gueules. Allez, je t'écoute. Tu peux continuer ton sermon. Si un mal élevé te coupe la parole, moi, c'est pas ça que j'y coupe. Il veut vous donner ce que vous voulez avoir. Ce qu'on veut avoir, c'est son secteur. Elle veut parler du grand-papa dans le ciel, le boss éternel. Où est-ce qu'il est? On le voit jamais. Vous cherchez ce qu'on appelle le septième ciel, mais Dieu vous ouvre le ciel. Pas besoin de drogue. Mais toi, de quel Dieu tu parles? D'Allah? Dis-moi, le prêcheur. Tendu à toi être papa? Si, il lutte avec moi. Il est prêt à se battre pour toi. Mais ton Dieu, avec qui il est avec les bishops? Ouais. Ou il est avec les Mao. Ouais. Dieu est vraiment avec les deux. Il m'a demandé d'aller vous l'expliquer. J'ai très peur. Un geste de vous et je suis un homme mort. Mais j'ai compris que le Père est votre allié parce que Dieu m'a envoyé ici avec un message. Belle gueule, monsieur le président, serrons-nous la main.
Nicky, chef d'état-major, qu'en penses-tu? Enfonce-toi quelque chose dans la tête. Dieu t'aime beaucoup. Oh, ça y est, j'ai compris, les gars. Vous l'avez traîné ici pour nous pacifier, hein? Vous pensiez qu'on ne voudrait pas se battre. Eh, franchement, on a pensé à changer la tête du fils de ta mère. Elle reconnaîtra plus ta face de faux frère. Tu crois, man? Eh, on va vous arranger le portrait, espèce d'avorton. Lame, batte de baseball et chaîne. Okay. Quand on aura fini de s'occuper de vos os, vous serez bon pour les docteurs. Il n'y aura même pas d'hôpital pour les nègres. Vous serez tous crevés au fond de votre tombe. Et toi, t'arrêtes pas de sourire. C'est dans le cul que tu vas l'avoir, ton sourire. Dis donc, ton Dieu. Il est de mon côté aussi. Je voudrais savoir ce qu'il ferait pour moi. J'ai frangé le mur du sang. Tu vois, je marche aussi père. Héroïne, une montagne de neige, sale ciel, il y a que ça de vrai. Toi, tu sais pas à quoi ressemble le ciel, prêcheur. Tu m'apportes quoi, franchement? Hein? Je connais pas de potion magique, hélas. Alors dis-moi, ton Dieu t'a demandé de venir? Et de bambou. Une minute. C'est une église? Vous êtes David. Nous avons tellement prié pour vous. Ah, c'est vrai? Et c'est le prêcheur dont les journaux parlaient.
c'est David Wilkerson. Je suis Hector Gomez, le pasteur de l'église. Nous répétions pour le service. Je vous présente ma femme, Graziella, Isaac, Ruth, Israël et Samuel. Qu'est-ce que vous attendez pour lui serrer la main, voyons? Salut. Bonjour. Où comptez-vous vous installer? À vrai dire, j'ai presque mis ma congrégation à sec pour entreprendre ce voyage. Il dort dans sa bagnole. C'est extrêmement dangereux, je vous le déconseille. Vous pourriez vous installer avec nous, Monsieur Wilkerson? Oh non, vous êtes gentil. Quoi que tout bien penser, j'ai les vertèbres en marmelade. Et je pourrais me servir de votre téléphone parce que je vais avoir un bébé. Plutôt, ma femme va avoir un bébé. Alors, vous serez chez vous, ici, jusqu'à la fin de votre mission. Eh bien, je... Tu habites où, mon enfant? Sa voiture est garée au milieu de mon petit salon. Tu n'as pas de chez toi, mon enfant? Si, je l'ai à chez moi. J'ai aussi 4 frères et 6 sœurs. Je préfère les rues. C'est beaucoup plus tranquille et il y a de la place. Si cela te convient, nous t'invitons chez nous. Parlons net. Par quel miracle un brillant garçon, comme vous, a-t-il osé mettre les pieds dans cette ville tourmentée? Un miracle? Je commençais à croire que j'avais perdu la tête, mais je me trompais. Vous me prouvez que, probablement, c'est une bonne chose. Thank you.
Oui, c'est nous. Venez par ici. Alors, comment ça s'est passé? Premier, on est arrivé premier. On leur a mis le compte. Il y a des blessés? Non, on s'est bien débrouillé. Non, on n'a rien eu, Poupée, mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Il n'y en est pas rentré d'autres? Je sais Mingo. Il est déjà là? Les autres vont peut-être pas tarder. S'ils arrivent à passer, dans une montre? Oui. Bon, tu les attends, mais pas plus d'une heure. T'as compris, hein? Si des amis s'amènent d'ici là, passe-leur tes belles affaires et dis-leur où est-ce qu'on se retrouve. Oui, Israël. Mais quand l'heure sera passée, tu ramasses tes affaires et tu disparais. Ok. Faites-la. Vous devez prêcher. Allez donc prêcher ailleurs, on a déjà suffisamment d'ennuis. Oh, circulez, le cirque est terminé. Allez, circulez. Officier, circulez. La constitution de ce pays ne m'accorde-t-elle pas le droit de parler à tous les coins de rue? Vous avez le droit si vous avez un drapeau. Circulez, le public n'a pas le droit de bloquer la rue. Je vous demande de circuler, tous. Quelqu'un n'a pas un drapeau dans la foule? Je ne peux pas parler sans drapeau. Fichez le camp d'ici, mon gars, ou je vous embarque. Tiens, en voilà un. C'est pas un drapeau. Vous pouvez pas vous servir de ça. Quoi, c'est pas un drapeau? Oui, c'est un drapeau. Qu'est-ce qu'il faut à rien? Pas parler. Ça jouait. Descendez de leur vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut, sergent. Cet individu-là voudrait faire un prêche et il prétend que c'est un drapeau, cette chose-là. C'est quoi le sujet de votre prêche? Je veux dire à tous ces gens que quelqu'un les aime. Ah, ils n'ont pas dû entendre ces mots très souvent. Enfin, sergent, c'est pas un vrai drapeau, ça, c'est un joujou. Non, il a l'air vrai, ce drapeau. C'est bon, allez-y. Dites-leur qu'on les aime. Merci. Je viens de ma campagne et je ne suis pas connu. Je le suis là-bas, mais c'est loin. Néanmoins, j'ai un message pour vous. Hé! Hey, j'ai un message pour toi! Avez-vous souhaité quelquefois que ça change? Oui, j'ai souhaité que les gros bonnets deviennent pauvres et que moi, je devienne riche. Oui, moi, je suis sans amour et j'ai même pas de poing. J'ai bien essayé de téléphoner, mais il n'y avait pas de réponse. Il est là. Hey, man. C'est leur président. Et il est tout seul, t'as vu? Non, attends un peu, il y a l'autre fou. Et alors, le prêcheur? Tu ne sais même plus ton texte? Oh, sans doute, je n'ai pas la prétention de vous connaître tous. Mais je sais que certains parmi vous sont tellement aveugles que sans le savoir, ils se jettent dans un précipice. Je vous regarde vous agiter comme si le monde vous appartenait, sans avoir conscience des dangers qui vous menacent. Sachez qu'il ne faut pas trop compter sur la chance. Parce que demain matin, un couteau vous sera planté entre les épaules. En fait, rien ne prouve qu'en ce moment, certains n'ont pas déjà été condamnés. Dans cette Bible, il est écrit, « Si vous négligez votre âme, vous avez signé votre condamnation. Et croyez-moi, vous n'y échapperez pas si vite. » On va pas passer la nuit ici. Non, non, attends. Je vois la haine enflammer le regard de certains. J'ignore qui a mis ce feu. Mais je sais qui est en mesure de l'éteindre. Pour employer une expression à la mode, certains jouent les gros bras. Mais ce n'est qu'une façade, parce que je vois à travers vous. Bon, alors on part ou pas, hein? T'as qu'à partir, si tu veux. Moi, je vais écouter le prêcheur. Vous faites ceux qui n'ont besoin de personne. Mais en dedans, vous suppliez qu'on vous aime. Je sais que dans la foule, il y a des gros bras. Ils ne devraient pas avoir peur de venir serrer la main d'un gamin comme moi. Pas, belle gueule. Qu'est-ce que je dois faire? Priez avec moi.
prie avec moi maintenant afin que l'Esprit Saint pénètre en ton cœur pour te transformer en un nouvel homme. Je ne suis pas encore prêt. Et ça n'empêche rien. Tu es sur la bonne voie. Dieu t'aime aussi, Nicky. Si jamais tu m'approches, je te tue. Tu es capable de le faire. Tu peux me découper en centaines de morceaux et les répandre au vent. Tu n'en détruiras pas pour autant l'amour que j'ai pour toi. Sergent Delano, j'espère vraiment que nous nous reverrons. Hein? On les a mis à quatre pattes, ces salauds. Quand ils sont arrivés dans le petit Brunch, ils se sont pris les pattes dans la corde, ils se sont écroulés comme des guilles. Attendez, quand ils nous ont coincés dans la tour et qu'ils nous ont envoyé des bombes incendiaires, j'ai attrapé un couvercle de poubelle et je me suis précipité vers cette bande pourrie. Oh. Nicky, j'ai cru qu'on avait réussi à te prendre, je t'ai pas vu dans la ruelle. Regarde bien derrière toi quand t'essaies de te sauver. T'es pas sérieux, man? J'ai foncé dedans comme un bulldozer. C'est curieux, t'as pas une égratignure. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et ça, hein? Et ça, c'est rien, peut-être? C'est quand t'as foncé dans la poubelle. Tu me traites de menteur? De menteur et de fillette, je te traite! Hein? Tous debout! Allez, levez votre cul de là, compris? Debout! Debout, j'ai dit! Enlevez vos ceintures et allons-y. Mais je t'assure que... Si tu m'obliges à venir te chercher, tu le regretteras encore plus. Vous faites une élection? C'est ce pourri de Mingo qui a eu peur! C'est faux! Sur ma tête! J'ai fait un malheur à moi tout seul avec les négros! Toi, rien qu'à moi, et des gros avec des baïonnettes! Tu veux absolument me faire passer pour le dernier des imbéciles? Tu as déjà passé pour un pauvre gars! Quoi? En écoutant ce faux cul de pêcheur! Ferme un peu ta gueule! Tu t'es mis à genoux et t'as chanté des cantiques! Non, la bavardé, viens-moi! Parle pas, moi! Le coup des brebis égarés, j'en ai rien à foutre! Ouvre-le, t'occupe pas! Mais je reste, tu plains! Du courage, qu'essaie d'aider les gens qui sont mal pris! Il essaie de casser notre gang! Ouvre-toi les yeux, qu'est-ce que tu crois qu'il est venu faire ici? Ton prince charmant, il est venu pour nous démolir! Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi qu'ils sont pour moi? Parce que t'es le plus pourri. Parce que t'es le plus salaud de la bande. S'il réussit avec toi, il réussira avec tout le monde. Laissez-le tranquille!
Salut, Nikki. J'entre ou pas? Toi, tu dois te penser très drôle. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je suis passé te dire que quoi qu'il arrive, Nikki, Dieu t'aime. Tu me réveilles pour des bêtises pareilles. Il faut qu'on se parle. Écoute-moi bien, espèce de sorcier. Si tu oses encore venir, moi, je ne vais pas te manquer. Ce que tu dis dépasse ta pensée. Tu fais semblant ou quoi? Tu reviens, je te tue. Je n'ai pas peur de toi, Nikki. Tu ferais beaucoup mieux d'avoir peur. Tu crois que tu es fort. Mais en dedans de toi, je sais que tu as peur de la vie. Comme les autres. J'en connais des dizaines qui peuvent te dire que moi, je n'aurais pas fait de cadeau. Ce fardeau de haine ne t'embête pas. Oui, je hais toutes ces pauvres pas. J'aime leur faire du mal. Tu ne te sens pas seul? Je m'oublie de moi! Hey, Nick! J'attends quelqu'un. C'est pas toi, compris? Oh, c'est normal. Eh ben, quand elle sera là, c'est simple. Je lui céderai la place. Où tu en es pour le parc, hein? Ça va. Et toi, où tu en es? Ça va. Ça marche comme sur des roulettes. Que tu aurais un peu d'argent à me donner. J'ai besoin de 10 dollars. Non, regarde-moi de plus près. C'est pas pour de la drogue. C'est pour me nourrir. Commande un soda. Faire la facture. Oh, arrête de m'énerver. Ne me prends pas pour un câble. Je vois ce brouillard dans ton regard. T'en manques et ça se voit. Je t'en prie, Nikki. Prête-moi 10 dollars. Je te les rends demain, je te jure. Non, tu es prête à jurer que tu es la reine d'Angleterre. Tu te rappelles quand tu faisais tout ce que je voulais, hein, Nikki? Je te confie un grand secret. Je sais bien qu'en principe, je dois appartenir à ce gang. Mais tu sais qu'en vérité, il n'y a vraiment qu'à toi que j'ai appartenu. Tu appelles ça un secret? Tout le monde le sait, bébé. Avec tous les autres gars... Ça m'emmerde. Mais avec toi, Nick, c'était un vrai régal. Va-t'en, tu m'intéresses pas. Si tu savais comme je t'ai aimé. Je t'ai aimé, je savais te rendre heureux. Tu n'aimes plus que ta seringue. Et tu ne sais plus rien faire. Je t'en prie, Nicky. Mais lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? Prête-moi 10 dollars. T'es au bout du rouleau, hein, mignonne? Essaie de comprendre. Je suis vraiment à zéro.
Tu me demandes de te faire la charité. Oh, Nicky. Donne-moi des sous. Que penses-tu du prêcheur? C'est un bon gars, il veut des légendes. Non! Il veut démolir les gangs. Pourquoi il veut les démolir? Parce que c'est un fanatique. Il est complètement buté. Il cherche à convertir tout le monde. Mais où est-ce que ça va te mener, hein? Pense que sans les gangs, tu vas être obligé de te vendre pour avoir ta prise. Tu sais que faire la putain, t'as rien appris d'autre. Mais Nicky, je ne vois pas de solution. Tu vas nous débarrasser du prêcheur. Moi? Mais comment? Comme tu voudras. Tu le, baises-le, fais-lui peur, ça m'est égal. Oh non, non, Nicky, non. Tu pourras te payer tout ce que tu voudras si tu m'en débarrasses. Je serai de ton côté. Oh non, sois gentil, tu sais que je suis ton ami. Tu auras une foule de sachets pour te faire plaisir. Et tu redeviendras peut-être ma petite Rosa chérie. Oh mon Dieu, on va se mettre dans le pétrole. Alors, t'es d'accord? Oui, mais je veux que tu me passes de l'argent. Fais d'abord le travail. Je te donnerai ce qu'il y a ensuite. Mais sans dose d'héroïne dans les veines, je tremble, je serai incapable d'enfoncer une lame. N'en parlons plus. Oh. Fiche le camp. Oh non, donne-moi ton couteau, je ferai ce que tu dis. On peut retirer quelques dollars? C'est bien. On aurait dû ficeler le gars et fouiller toute la cabane. Si ça se trouve, il avait le gros magot caché sous son matelas. Ou dans son livre saint. Hey! Regardez ça! J'appelle ça une très belle pièce. Ce gars-là est pratiquant. Ça vaut cher, ça? Il faut qu'on le rapporte. Qu'on le rapporte? Ça porte malheur de voler un crucifix. Ouais, surtout parce que ce truc-là ne vaut rien. Oji, ferme ta gueule! On peut peut-être l'emporter à l'hôpital et l'offrir à Mingo. Tu as trouvé ça tout seul? Il n'a pas ouvert les yeux, comment veux-tu qu'il se rende compte? S'il arrivait au moins un centime. Il n'arrivera à rien du tout. Ouais, c'est vrai. Il est toujours dans le... Comment? Le coma? Un communiste? Mingo est un communiste? Hé, hey, Israël! Tu savais que Mingo est communiste? C'est vrai? Une minute, il y a quelqu'un là-bas. Je vais y aller. C'est Nicky. Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien, je suis pas son chaperon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des tostones. C'est délicieux. Nous ne voulons pas ça à Philipsburg. Nous devrions ouvrir une mission là-bas. Bonne idée. Soyons sérieux, David. Vous avez fait des merveilles avec les jeunes de notre quartier. Vous avez commencé avec des planches pourries sous vos pas et vous les avez réparées. Nicky sera dur à réparer. Nicky? Alors là, vous marchez dans les sables mouvants quand vous approchez de lui, vous le savez. Oui, mais aucun autre n'est prêt à céder. Je crois être parvenu à la limite où tout va basculer et il me glisse entre les doigts. Les jeunes lavent des robes parce qu'ils ont tous peur d'être traités de lâches. Appartenir à un gang où la violence, le sexe, la drogue sont choses communes est la seule manière de prouver qu'ils sont des hommes complets. Oui. Si je pouvais réunir toutes les bandes dans un endroit vraiment immense, si je les amenais lentement mais sûrement à s'engager devant les autres, il ne reculerait pas. Une espèce de convention. Oui, une convention, une sorte de bal où viendraient les beboppers, les jitterbuggers, les valseurs en tout genre. Un instant, on ne peut contenir une horde de grands voyous de New York avec une Bible. Ils sont capables de vous crucifier. Où puis-je trouver un grand local? À votre place, je n'insisterai pas. Oh, mais quel genre de... Une immense salle pouvant contenir tous les drogués, tous les gangs de New York. Si tu tiens à tous les réunir, il te faudra le Grand Canyon. Je pourrais vous avoir un grand local. C'est cher pour louer ça? Non, ce n'est pas un problème. Si vous êtes assez fou pour vous mêler à tous ces fils d'assassins, je vous trouverai sûrement quelqu'un d'assez fou pour payer. Ça ne va pas, Nick? Si, ça va.
temps en temps, ça fait pas de mal de se retrouver seul. Tu t'en fais pour Mingo, hein? Et t'as raison. Je dois dire que ça m'ennuie aussi. Il y a une chose qui m'étonne. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce gars-là? Et de qui tu parles? C'est pas de Mingo? Je te parle du prêcheur. Ah, tu continues à t'occuper de ce type? Qu'est-ce qu'il a bien pu te dire de si passionnant? Quand ça? Eh ben l'autre jour, près de l'école. C'est si passionnant que je ne m'en rappelle même plus. Ah, il a dit que Dieu m'aimait, un tas de bêtises du genre. C'est drôle. Il est même venu me réveiller à 3 heures du matin et c'est ce qu'il m'a dit. J'ai failli avoir une crise cardiaque. S'il n'avait pas été devant ma porte, je le démolissais à coups de pied. Tu sais ce que j'ai fait, Israël? J'ai envoyé Rosa tuer ce type-là. Et je l'ai envoyé avec mon poignard. Sacré Niki. Tu crois qu'elle l'a descendu? Oh, si elle a fait ça, c'est la première fois qu'elle réussit quelque chose depuis qu'elle se drogue. Je vais y aller. Il faudrait profiter d'un petit congé. Eh oui. Il y en a malgré tout qui vont à l'école. Le congé du Thanksgiving me semblerait idéal. Oui, l'action de grâce. Il faut aussi prévoir un autobus pour amener les jeunes. Ils ne traverseront pas les secteurs réservés. Allô? Oui, j'y avais pas pensé. David. C'est pour moi? Merci. Allô? C'est toi, Gwen? Ma femme. Ah. Viens, Rosa. Rentre, ma fille. Le prêcheur est là. Ça ne va pas, t'es malade? Oh, vous ne voyez pas ce genre de maladie pour la première fois, non? Je n'ai pas réfléchi. Vous n'auriez pas dit dollars? Si je te donnais de l'argent, Rosa, c'est ton vice que j'approuverais. Avec les commesses et le sergent Delanoer, pas formidable. Oh, nous avons une idée fantastique. On organise une immense réunion où tous les gangs seront présents. Hector! Oh, Rosa! Pauvre petite Rosa! Où est le prêcheur? Pourquoi veux-tu le voir? Des policiers pour poser des questions! J'avais quelque chose à lui remettre! Oui, mais il faudrait profiter d'un congé puisqu'on veut avoir tous les gangs à la réunion. Oui, ma chérie, je sais que c'est la date prévue pour le bébé, mais... Oui? J'aimerais vous dire quelque chose. Maintenant, ou alors il sera trop tard. Bon, bon, d'accord, je viens. Oui, Gwen, oh, je m'excuse. Ne t'affole pas pour ça, les bébés sont capricieux. C'est pressé. Assieds-toi. Tu veux manger quelque chose? Non. Gwen, chérie, je te rappelle dans quelques minutes, j'ai un cas qui m'a l'air urgent. Oui, je te rappelle tout de suite, c'est promis. Je t'embrasse. Allô, Je veux vous voir, prêcheur. J'ai quelque chose à vous dire, entre nous deux. Allez dans la chapelle. Par ici. Qui est cette fille? Une petite du quartier que je connais bien. Elle est sur l'héroïne. Je suis content de te revoir, Rosa. Content? Ah oui? Pourquoi? Asseyons-nous. Pourquoi es-tu si content de me voir? Hein? Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup pensé à toi depuis notre dernière rencontre. Tu sais que j'aime Niki, n'est-ce pas? Non, je l'ignorais. Tu l'ignorais vraiment? Oui, vraiment. Avec lui dans ma vie, mais maintenant il me laisse tomber. Tu sais pourquoi? Je crois le savoir, mais dis-le-moi. Il cherche à démantibuler les gangs. Mais ce n'est pas vrai, je m'efforce de les rassembler tous autour d'un point commun, plutôt. Et tu détruiras tous ceux qui te résisteront. Allons, calme-toi, Rosa. Menteur! Tu peux me prêter 10 dollars, s'il te plaît? Ne me touche pas! Je ne
t'aiderai pas en te prêtant 10 dollars. C'est une idée fixe. Et pourtant, il faut que j'ai une dose. Il le faut. J'ai besoin d'une dose matin et soir. Et il y a 24 heures que je n'ai rien pris. 10 dollars, c'est tout ce que je veux pour m'acheter une dose. Quand on sert Dieu, on n'a pas beaucoup d'argent et je ne peux te faire ça. Je ne peux être complice de ta destruction, voyons. T'es qu'un vrai enfant de chienne. Tu menaces les gens avec ton bon Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon Iki? Mais tout ça, toi, tu t'en moques, un salaud pourri. Rosa, si vraiment tu veux, Iki, sois belle quand tu seras devant lui. Tout ce que je veux, c'est que tu me passes des sous. Tu me les donnes, ces 10 dollars, finalement. Sinon, je t'aurais dû porter. Pourquoi ce couteau? Ça ne sert à rien. Rosa. Au secours! Ne t'approche pas de moi, salaud! Et essaye de me... Mais c'est raté. Ou bien je vais me couper la gorge. Je décide à présenter un vilain spectacle à notre voix proche. Je vais me saigner comme un porc. Non, non, arrête. Ne t'enlève pas la vie, Rosa. Tu es trop jeune. Dieu compte sur toi. Il t'a fait venir ici pour que tu y trouves de l'aide. Dieu veut que David te vienne en aide. Mais je ne sortirai jamais, vous le savez bien. Jamais, non. Je n'en sortirai pas. J'attends trop après la dose. Je suis perdue. Non, puisqu'on est ici pour te sauver. Pourquoi tu nous refuses la chance de venir à ton secours? Si la chance nous est donnée de faire quelque chose pour toi, même une toute petite chose, ça vaut la peine de la tenter. Bien entendu, il faut m'accorder cette chance. Prends de grandes respirations. Laisse-toi aller, détends-toi. Laisse tes bras flotter le long de ton corps. Essaie de faire le vide dans ta tête, essaie de faire sortir le mal. Oh. C'est fini. Nous sommes là, Rosa. Hey, regarde ça. Réunion monstre de la jeunesse. Et c'est le prêcheur qui l'organise.
J'aimerais le mettre dans la boîte au lieu de Mingo. Hey, pauvre Mingo. Bon Dieu, monsieur le prêcheur, il en a du front. Des services à votre gang. Tu veux que j'appelle quelqu'un pour te ramener? Docteur.
Surtout ne m'approche pas. Mbou a dit que tu voulais me voir. Non, mais t'es malade. Nicky, il faut que je te dise deux choses. Oui, je sais, oui. Jésus m'aime, et toi tu m'aimes aussi, oui, je connais la chanson. C'est très important. Hé, arrête de déconner. J'ai un trou dans le ventre et des blessures partout. Alors va-t'en, j'y perds ton temps. Je t'ai rien demandé. Laisse-moi crever tranquille. Tu voudrais que je te laisse dans cet état-là? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je te l'ai dit, disparaît. Laisse-moi, maudit pasteur. Tu peux courir, Nicky, mais tu t'arrêteras. Et ce jour-là, tu seras content de me trouver. J'essayais de m'en occuper. Il ne m'écoutera jamais. Oui, vas-y, Rosa. Donne-lui un coup de main. J'y arriverai toute seule, vous. Ça me dérange pas. Va-t'en ! T'as compris ? Laisse-moi tranquille. Nicky. Je t'ai dit de me laisser. Nick, je ne suis plus sur la dose. C'est terminé, Nick, je suis débarrassée. T'es sourde ou tu fais semblant? Je t'ai dit des camps d'ici. Je ne comprends pas. T'as dit que si j'arrivais à me débarrasser de la drogue... T'en débarrasser? Maudite menteuse, on se débarrasse jamais de la dope. Et pourtant, j'y suis arrivée. Oh, Nicky, regarde-moi. J'ai craqué. Heureusement que le prêcheur et les gommesses sont venus. Oh, vite. Tu me chasses à cause du prêcheur, hein? Tu vas t'en aller. Très bien. Je m'en vais. Mais avant, je veux savoir. Est-ce que tu me chasses à cause du prêcheur? Le prêcheur! Non, à la fin, chaque fois que je me retourne, je veux voir où j'entends ce prêcheur. Mais c'est lui, avec ses amis, qui m'ont sorti du trou. Et après? Tu veux une médaille? Tu voudrais qu'on t'appelle Sainte Rosa? Tu veux aller à la télévision pour dire comment t'as été sauvée? J'ai cru que ça te plairait d'apprendre. T'as cru n'importe quoi? Mais quand t'étais complètement droguée, tu n'existais plus pour moi, t'étais morte. Mais maintenant que tu marches à la religion, t'es complètement crevée. Tu sais que je te préférais en junkie. Des junkies, j'en ai vu dans ma vie. Mais des fous qui se droguent avec la religion, j'ai jamais vu ça dans le secteur. Tu permets que j'y goûte, hein? Pas question, il n'y en a pas assez. Oh, juste une goutte, je t'en prie. Putain! Tu me l'as fait renverser! J'essayais de plus en prendre. Oh, la pauvre créature.
fait ça toute seule, hein? Non, avec le prêcheur. Bon sang, tu m'as l'air à plat. On dirait une petite guenille. Oh, j'ai pas eu trop de mal. Le gars-là n'y connaît rien. Moi, je le sais bien. Il m'a fait perdre une partie de ma clientèle. Mais je suis revenue. Je réembarque. T'en fais pas. Personne ne peut décrocher. Même les plus grands docteurs l'ont reconnu. Les journaux le disent aussi. Je l'ai quand même pas inventé. Je suis désolée, Jeffrey, j'ai pas d'argent. N'en parlons plus. Je fais toujours cadeau de la première dose. Je suis content que tu sois revenu, vraiment. Je n'ai rien pour me faire là. Oh, t'as plus ton matériel. Je fournis le matériel avec la première. Ça m'embête toujours quand il passe du temps et que je vois qu'un vieux client se présente plus. Je me demande si, par malheur, j'aurais froissé ses sentiments. Oh, je n'y arrive pas! Je t'énerve, faut pas! Appelle le maître d'hôtel. Il te le désosse. Voilà. 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 Te le flambe. Vous les mettrez sucrés? Et c'est servi prêt à consommer. Laisse-la travailler. Oui, tu vends de la saleté. Tu l'as coupé, je te dis. Je suis désolé, je ne t'ai rien vendu, bébé. Tout a été offert. Et c'est de la bonne. Mets-en sur ta langue. Qu'est-ce que t'en dis? Ça sent le sucre, peut-être? Ou bien ça sent la quinine? Non, chérie, il n'y a pas plus pur que cette héroïne-là. Mais ça me fait rien du tout à moi. On dirait que j'ai pris un verre de gin ou un tranquillisant. On m'a fait ce numéro-là 100 fois pour pas payer. Mais toi, t'es la championne, hein? La seconde n'est pas livrée gratuitement, bébé. C'est 10 dollars. La troisième, la quatrième et la 400 000e aussi. Va voir ce qui se passe sur le trottoir, bébé. Mets une ou deux petites combines au point parce que tu vas monter jusqu'ici des millions de fois. Et là, apporte-moi un beau billet de 10 parce que je te rappelle que je t'ai déjà mis une dose en compte. Et laisse tomber ton espèce de prêcheur. Il te met de la pourriture dans la tête!
suite votre avis. Il n'y a que des braves gens dans la salle. Je ne vois que des fauteuils vides. Ouais. Non, pour moi, c'est la présence qui les embête. Les gangs sentent l'odeur de la police. Ils peuvent penser que c'est un piège. Vous croyez? C'est une hypothèse comme une autre. Je ne me montrerai pas demain. Il n'y aura aucune voiture patrouille à la porte de votre salle. Il n'y en aura même pas à proximité. À condition que vous arriviez à les tenir en laisse. Disons que je vois mal qui viendrait livrer combat dans le désert. Attaquer sur la tombe d'un ami mort, je trouve ça grave. Et si ça m'amuse, je vois pas ce que ça peut te faire. Hé, si tu veux le savoir, je reconnais que certains de ma bande y sont allés trop fort. Ça veut dire que tu le regrettes? Je n'en vois jamais d'excuses. Et je cause jamais aux inférieurs. Je vais lui parler, laisse faire, Nick. Mes amis me réclament du sang. Bon. Si tu veux du sang, je peux te dire que t'en auras plein, Blanc-Bête. Ça va pour moi. Quand? Mais quand tu veux. Ce soir. Mais où? Dans le parc. Oublie le parc, à présent il nous appartient. Ta gueule, Nick, je t'ai dit. Laisse-moi parler pour une fois. Tu ne vois pas ce qui se paye ta gueule en parlant du parc et en faisant semblant de ne pas savoir à qui il est. Dans ce camp, on va le savoir une bonne fois pour toutes. Le vainqueur aura le secteur. D'accord, Blanc-Bête. Mais qui sera le vainqueur? On le déterminera en comptant les plaies et les bosses, hein? On le déterminera au dernier qui restera debout. Comment on le saura? Dès qu'il y a une bagarre, les gars s'éparpillent aux quatre coins de la ville. Mais si tout est fermé, ça sera facile. Je peux savoir à quoi monsieur pense? À la salle du prêcheur. Il y aura des policiers assis à toutes les places. Pas ce soir. D'après mes informateurs, les policiers s'éloigneront pour éviter d'apeurer les gangs. Et alors? Alors on peut s'amener avec du matériel. Les gangs de neutres vont surveiller les entrées pour que personne sorte ou entre. On pourra faire ce qu'on voudra et le secteur appartiendra à celui qui restera le dernier debout. C'est bien la première fois que je vois un gars de Taras qui a une bonne idée, Nick. Je croyais que tu voulais laisser tomber. J'ai réfléchi. Bon, on sait où et quand ça va se passer. Reste à choisir le matériel. Bâton. Poignard. Chaîne. Tuyau de plomb. Pétard. D'accord, Blanc-Bec. Pas question d'aller au magasin acheter ça. C'est ma classe de catéchisme. Ils sont peut-être pas tous prêts à prier, mais c'est un bon départ. Hey Dave, on dirait que ça marche. Oh oh, c'est rare, mais si on avait marqué interdit aux noirs sur la porte, ça ne m'aurait pas embêté.
n'y a rien qui faille, David. Il faut que Marie chante. À mon avis, ça devrait les calmer. Parmi vous tous, il me faut 4 volontaires. D'accord. Nick, Oji, Abdullah. Quand vous aurez fini la quête, vous rapporterez l'argent par l'entrée des coulisses et vous me le remettrez. Allez-y. Thank you.
partage tout de suite ou on met tout dans le même panier. Le vainqueur pourrait avoir 100 primes. Écoute-moi. Skavla est tellement sûr de savoir ce qui va se passer à l'avance qu'il est persuadé qu'on va lui piquer tout le pognon qu'on a pu ramasser. Il va en profiter pour nous faire un serment sur l'honnêteté. Je regrette, mais ça ne prend pas. Vaut mieux tout lui remettre. Comme ça, il va être coincé à son propre jeu. Je suis d'accord, Mann. Voilà ton argent, prêcheur. Tout est là. Si tu veux, vérifie. Merci, Abdullah. Merci, Nicky. Bien coller de belles étiquettes sur la plupart des personnes. Ça nous permet d'avoir une bonne conscience. Je suis persuadé que certains ont cru qu'en leur demandant de faire la quête, c'était demander à un junkie de garder une pharmacie. C'est vrai. Mais ils vous ont étonné. Ils n'acceptent pas votre étiquette. Ils sont libres avant tout. Dis plutôt qu'ils sont cadres avant tout. Personne ne peut vous coller une étiquette sur le dos parce que personne ne peut comprendre exactement ce que vous éprouvez en dedans. Ni une fille, ni vos propres amis, ni un membre de votre propre gang, ni un prêcheur, ni un prêtre, ni un rabbin, assistants sociaux, psychiatres, personne ne peut savoir. Parce que vos sentiments, parce que vos idées et vos dons spirituels sont si fantastiques qu'il faudra un esprit plus grand que tout le monde pour arriver à vous comprendre. C'est pour cela que je ne suis pas là pour prêcher la religion. C'est pour un homme que je parle. Et croyez-moi, c'est le seul qui comprenne les raisons profondes de vos actes, le seul qui soit en mesure de comprendre ce qui vous embête, ce qui vous ronge jusqu'aux os. Et c'est le seul qui ait le pouvoir de régler ce problème. Vous allez enlever vos jolis chapeaux de votre tête et écouter soigneusement. Enlevez votre chapeau, c'est compris, vous, là-bas ? N'attendez pas de voir ce que fait votre voisin pour vous découvrir. Ayez le courage pour une fois d'agir différemment des autres. On est dans la maison de Dieu à partir de maintenant, et ça, c'est une chaire en bois blanc. Je parlerai, si vous avez du courage, vous écouterez. Je parlerai d'un homme. Je vais parler d'amour aussi. D'amour, oui. Ce mot qui vous embête, ce mot que vous croyez réservé aux fillettes. Et vous saurez que quoi qu'il arrive, c'est encore le mot qui est le plus audacieux de notre langage. Je vais essayer d'expliquer ce que l'amour peut et veut signifier. Ce n'est pas ce que vous éprouvez. Non, l'amour est plutôt ce que vous avez décidé de faire. Ce n'est pas une chansonnette débile. Non, il faut beaucoup de courage pour aimer les autres. Parce que c'est la seule chose qui balaye votre haine. Il est plus facile de haïr que d'aimer. Je vous rappellerai la grande leçon de ce livre. Dieu est amour. Dieu a vu les péchés dans votre cœur, dans le cœur de tous ceux qui sont ici, dans le mien aussi. Il a haï ses péchés. Mais il a su balayer sa propre haine. Et il a envoyé son Fils unique en notre monde pour nous aimer. Oui, Jésus, c'est l'amour passionné, pur et vrai. L'amour qui servira d'exemple. Pour vous. Et pour moi aussi. Ça m'est égal. Je ne veux pas savoir qui vous avez démoli, ce que vous fumez ou avec quoi vous vous piquez. Je ne veux pas savoir avec qui vous couchez. De toute façon, Dieu vous aime. Il vous est sûrement arrivé d'entendre parler des 10 commandements. La majorité d'entre vous les a transgressés 100 fois. Dieu est parfaitement au courant. Il connaît bien la raison de vos colères, de vos peurs, de vos frustrations, et il est au courant de vos bagarres. Il sait même que vous avez laissé des morts sur le terrain.
Mais Dieu sait ce que vous allez réellement être dans l'avenir, pas uniquement ce que vous avez été dans le passé. Jésus a dit qu'il n'y avait qu'un seul grand commandement. Il faut aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et votre esprit, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres », il fallait le faire, et lui, il l'a fait. Je demanderai donc à Dieu d'effectuer un vrai miracle. Père éternel, je te demande de faire un miracle maintenant. Fais que dans quelques moments, leur vie soit vraiment changée. Je demande aux Mao Mao de balayer toute la haine qu'ils éprouvent pour leurs frères noirs. Je demande aux Bishop de pardonner les péchés des Blancs. Tout comme Dieu pardonne les vôtres. Hé, regarde, prêcheur! T'as vu le trou que j'ai sur l'estomac? C'est la lame d'une saloperie de nec qui a fait ça. Et toi, tu viens me demander de les aimer? Mais dis donc, t'es malade ou quoi? Hé, hey, man! Les Mao Mao ont tué mon propre frère dans un combat. Et voilà que tu me demandes de les aimer, ces chiens! Ouais, je vais les aimer. Je vais les aimer avec une lame de poignard. Toi, tu vas me faire le plaisir de la fermer. Tu dis que tu vas les tuer pour venger ton honneur. Et toi, tu vas les tuer parce que tu veux te venger, toi aussi. Je ne vois pas qui sortira premier de cette espèce de course-poursuite qui ne vous mènera nulle part. Si ce n'est de nouvelles atrocités, de nouvelles tragédies. Vous faites semblant de ne rien comprendre. Jésus-Christ était parfait. Et ils l'ont crucifié, néanmoins. Il est mort sans se plaindre, sans dire un mot. Il a perdu son sang sur la croix. Il n'est pas mort en lâche, il est mort en homme. Un homme comme vous, avec les mêmes peurs, les mêmes sentiments, les mêmes douleurs. Parce qu'il a souffert, lui aussi. Avec ses clous rouillés qu'on lui avait enfoncés dans la chair, dans ses mains. Les mains, l'un des endroits les plus sensibles du corps humain. Et qu'ont-ils fait ensuite? Ils lui ont cloué les pieds pour le crucifier. Ils lui ont cloué les deux mains et les deux pieds à la croix. Et s'il avait voulu les empêcher, il aurait pu. Il lui suffisait d'appeler une légion d'anges pour qu'ils participent à ta délivrance. Et ensuite, tous ces bourreaux auraient été massacrés, mais il ne l'a pas fait. Il est resté sur la croix, perdant son sang pour vous. Et il est mort, sans rien dire, pour vous. Grâce à son sacrifice, vous n'avez pas à mourir aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous entretuer aujourd'hui. Il faut arrêter de verser des larmes sur les erreurs du passé. Arrêter de payer pour ces erreurs. La facture est déjà payée. Ça suffit. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'accepter. Il s'agit tout simplement d'ouvrir vos cœurs, d'en expurger toute amertume et de laisser Jésus la remplacer par l'amour. Ouvrez vos cœurs et laissez Jésus entrer. Laissez Jésus-Christ entrer dans vos cœurs. Laissez Jésus entrer, entrer, entrer. Écoutez tous, les blancs à ma droite, les noirs à ma gauche, écoutez-moi. On vous a parlé longuement du pouvoir de l'amour, mais je voudrais parler d'un autre pouvoir, le pouvoir des gangs, moi aussi. C'est le seul qui soit valable. Nous, les bishops, et vous, les mamas, on va régler la question ici même. Tu vas y assister, prêcheur, parce que tu ne pourras pas sortir. Tous les issues sont bloquées. Que ça te plaise ou pas, on va régler ce problème maintenant, dans cette salle. Arrêtez! J'en ai plein le dos! Et vous ne croyez pas que ça suffit de s'entretuer? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le prêcheur? Moi, j'ai écouté le prêcheur. Et moi, je ne sais pas quoi leur dire. Tu sens le sauveur. Et vous tous, finalement, vous sentez qu'il est présent et qu'il veut vous toucher de la main. Si vous avez vraiment envie que votre vie change, l'heure est venue, mes amis. Jetez vos armes. Il n'y aura pas de bagarre ce soir. Vous êtes en présence de votre ami, le Seigneur. N'ayez pas peur de venir. Approchez. Tendez-vous la main. N'attendez pas d'être meilleur. Venez à Dieu tel que vous êtes. Approchez du Seigneur. Déposez tous vos fardeaux à ses pieds. Et Jésus vous en déchargera rapidement. Vous serez plus léger après.
Ce pas l'un vers l'autre voudra dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, pardonne-moi. Dieu, je te fais don de moi. » Cet amour, je sens que tu l'as retrouvé. Je le sens au fond du cœur. Parce que tu ne me fais plus peur. Nicky ! J'ai ta vie entre mes mains. Et tu le sais. Je peux t'ôter la vie. Ou je peux te la laisser. Mais je ne veux pas te l'ôter. Wow, man. Il n'y a pas à dire, ton numéro de ce soir est étonnant. Très étonnant. God loves you, he loves you, just as you are now standing there, in your cold, dark and bitter little world, he loves you, he loves you, his J'abandonne mon existence à Dieu, David. J'espère qu'il me protégera. Je n'aurai pas cette chance. C'est un miracle, Vicky. J'ai prié pour le voir arriver. C'est le miracle dont j'ai parlé au début. Je demandais que vous vous retrouviez ce soir. Vous saurez tous au fond du cœur qu'un vrai miracle a eu lieu. Vous ne ferez plus jamais confiance dans votre chair, mais dans la chair sacrifiée pour vous par Jésus-Christ. Qui veut avoir une Bible? Venez m'aider. Il y en a pour tout le monde. Pêcheur, je préférerais avoir un gros livre pour que les gens comprennent vraiment que c'est pas un livre ordinaire. Donne-moi un, moi aussi. Moi aussi, prêcheur. C'est drôle, quand je te regarde, j'en vois un autre. Ah oui? Tu as plein de soleil dans les cheveux et dans le regard, je t'assure. Pour moi, l'amour, c'est un peu plus que des paroles, maintenant. Tu sais que moi aussi, j'ai changé. Oui, Rosa. Je le sais. T'as lâché la drogue. Oh, Nicky. Maintenant, je suis libre. Réellement libre, tu sais. Hé! Hey! Je suis partout dans ce livre-là. Mon nom est dans la Bible. Israël! 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 Il y a mon nom sur presque toutes les pages! C'est ainsi que tout a commencé. Ce fut le détonateur d'une réaction qui devait faire ma paroisse de ce ghetto. J'étais loin de me douter que cela déboucherait sur l'ouverture d'un centre communautaire, un havre où des enfants déboussolés pourraient retrouver leur route. Ou qu'à partir des rues tourmentées d'Harlem et de Brooklyn, le mouvement d'aide aux adolescents gagnerait les villes et le pays tout entier pour sauver d'autres Nicky, d'autres Israël, d'autres Rosa, en les entourant d'amour au lieu de les livrer à la haine et à la peur. Par contre, ce que je savais déjà, et vous pouvez en croire le petit prêcheur issu des fins fonds de la Pennsylvanie, c'est que dans l'ombre des ruelles cernées par les taudis, la croix est plus puissante que le poignard. But then I heard of a love so great, greater than all the
see love as the Son of God, who gave his life for a mean and lonely guy like me. Though it's hard for me to see, I'll try to understand.